Une vie, une œuvre, bonjour à toutes et à tous, et nous consacrons l'heure qui vient à l'écrivain Jean Giono, né à Manosque en 1895 et mort dans cette même ville 75 ans plus tard. 75 années que l'on a pris l'habitude de partager en deux grandes périodes en ce qui concerne la production littéraire de Giono. Une première composée d'œuvres très lyriques, centrées sur la nature, et une seconde, après-guerre, avec un cycle beaucoup plus narratif, où les personnages prennent davantage d'importance, où l'écriture se modifie aussi pour se faire, disons, pour schématiser, plus stendhalienne. Et le roman le plus connu de cette période reste sans doute Le Hussard sur le toit. Mais Giono, c'est aussi un parcours politique. Enfant de la fin du 19e siècle, il participe à la Première Guerre mondiale, s'engage ensuite aux côtés des communistes avant de s'en détacher. Il prône le pacifisme avant d'être soupçonné de connivence avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cet écheveau biographique et artistique que François Connac et Olivier Guérin dénouent aujourd'hui dans leur documentaire, enregistré cet été au Paraïs. C'est la maison Manosquine où Giono a créé toute son œuvre, qu'elle soit littéraire comme théâtrale, poétique ou encore cinématographique. Le lieu de convivialité, vous y êtes, cher monsieur. C'est sur cette terrasse. À peu près 7 mois de l'année, il fait très beau en Provence. Donc c'est la pièce la plus grande ici. Elle est protégée. Là, à l'époque, il y avait des rosiers grimpants qui faisaient tonnelle, donc à l'ombre. Et mon père siégeait, on peut dire, sur cette terrasse pendant à peu près 7 mois. On y vivait, on y mangeait, on y parlait, on y écoutait la musique sous cet arbre, le kaki. Il y avait une petite table ronde et là il y a le gramophone et la musique était en permanence dans notre famille. Elle faisait partie de notre vie. On continuait de vivre mais entouré de la musique de Mozart, de Bach, des oiseaux. Vous voyez, comme aujourd'hui. Oui, la maison dans le quartier du Paraïs que Giono achète en 1930, où il va s'installer à partir du printemps 30 et où il va vivre jusqu'à sa mort ici en octobre 70. Cette maison est au pied de la colline du Mont d'Or, au début de la colline, et domine légèrement la ville. Une certaine distance respectueuse, pour reprendre une formule de Giono, entre lui et la ville, une certaine hauteur de vue aussi, dans tous les sens du terme. Et d'ici, en effet, nous avons une vue magnifique sur les toits, les fameux toits du Hussard. Et Giono a eu cette vue pendant les 40 années qu'il a vécu ici, où il a écrit l'essentiel de son œuvre, puisque le premier livre qu'il écrit en arrivant ici, c'est Le Grand Troupeau. Les 4 premiers ayant été écrits en ville, disons, ou à la banque, c'est-à-dire Naissance de l'Odyssée, Colline, Anne Beaumune et Regain. Et puis il va écrire ici, dans différentes pièces de la maison, puisqu'il n'avait pas de lieu stable pendant ses 40 ans, il a déménagé ses bureaux successifs, montant de plus en plus aussi dans la maison, c'est-à-dire qu'il y avait de la hauteur vis-à-vis de la ville en étant ici dans le quartier du Paraïs, et en plus de la hauteur en grimpant progressivement dans la maison. Une vie, une œuvre, Jean Giono, le déserteur du réel, par François Connac et Olivier Guérin. Il se promenait dans Manosque. Et il était déjà étrange. Il avait une étrangeté native. Il avait, par exemple, des chaussures qu'il appelait les moglis du Tibet, qui se recourbaient au bout. Voilà. Il se promenait avec ça en Manosque, plus un chapeau entopé et une pèlerine de berger. Il avait donc déjà un aspect physique qui retenait l'attention. Avec ses beaux yeux d'un bleu très pâle, il vous regardait. Et on avait toujours l'impression, ceux qui ne le connaissaient pas très souvent, se retournaient pour savoir s'il parlait à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'était un regard qui vous traversait et il avait une conversation très normale, très lucide, très logique avec vous. Et en même temps, de temps en temps, il s'interrompait pour noter quelque chose qui n'avait strictement aucun rapport avec ce qu'il était en train de nous dire, mais qui correspondait à ce qu'il était en train d'écrire. Donc son cerveau travaillait sur deux plans. Je vois le spectacle de ces collines devant moi par cette grande fenêtre. Je vois aussi les murs de Manosque qui sont là en premier plan et qui me rappellent un peu les souvenirs des villes italiennes. Ça ressemble malgré tout un peu à l'Italie. Mais au-dessus des murs, ces collines qui montent, et notamment la première, qui s'appelle la colline de Saint-Pancras, me donnent chaque fois des sentiments tristes qui sont agréables pour le soir. Et la pipe est bien meilleure quand on a
à se délecter avec des sentiments tristes en même temps. Il avait à la fois le regard bleu d'un ange et d'un menteur colossal. C'était toujours transformé. Hein. Jonot, c'était ça. C'était la transformation perpétuelle du réel. Vous savez, c'était la création perpétuelle. Vous donniez à Jonot un morceau de phrase quelconque qui vous concernait et Jonot transformait immédiatement le bout de phrase que vous lui aviez donné en pâture. Et il le transformait à sa façon, il en faisait un roman. Il est un raconteur d'histoire. Christian Morzewski. Dit-il, hein, et de façon peu obligeante pour Gide et encore moins pour les nouveaux romanciers, devant ses auditeurs, il improvise souvent ce qu'il appelle l'épreuve du conteur oriental. Pour vérifier la qualité d'un romancier, il suffit de le priver de papier et qu'il s'assoie eh bien, au coin d'une rue, en tendant l'écuelle devant lui. Et puis on va voir eh bien, effectivement le nombre de badauds qu'il sera capable de conserver autour de lui par le récit qu'il va improviser. C'est le modèle pour lui, c'est le conteur oriental, celui des Mille et Une Nuits. Il était naturellement anarchiste comme tous les cordonniers, mais un peu plus qu'ordinairement les cordonniers à cause de son père qui avait fait du terrorisme révolutionnaire actif dans l'Italie du Risorgimento. Babylone et Paris, Moscou ou Constantinople, et aussi bien n'importe lequel des petits villages perchés sur les collines autour de nous. Des montagnes d'iniquité ne sont pas géographiques. La ruine de Rome est en train de se poursuivre dans le cœur de bien de nos amis. Gouverner, c'est me forcer à regarder ailleurs pendant qu'on s'occupe de ceux qui me regardent. Jean, fils de Zébédée, est un cartomancien pour ministre. Il lit dans le marc de café pour les présidents du Conseil. Mais il faut le croire quand il nous dit que les événements sont des enfants trouvés. La politique est l'art d'adopter ces enfants trouvés. Comment le fils du cordonnier de Monsieur Jean et Jacques Mini et de Madame Pauline, la repasseuse, est devenu un des plus grands prosateurs de la langue française, un des plus grands écrivains de son temps et de notre littérature. En plus, une œuvre qui n'a pas pris une ride, qui au contraire nous apparaît toujours plus moderne ou au-delà même de la modernité. C'est une interrogation. Il y a ce petit enfant, ce petit garçon solitaire qui éprouve, je pense, déjà très tôt l'ennui. L'ennui qu'il y a à vivre dans une petite ville. Il y a un ennui terrible, aucune autre distraction que d'écouter le père, qui est un conteur. Le père qui, avec quelques livres seulement, bon, la Bible surtout, à Malherbe, bon, les grands théoriciens, Digiono, Proudhon, etc., bon, une certaine vision politique, va le nourrir de ça, de ses conversations. C'est vrai que ça vient du père, pas de la mère. Et puis, il y a la découverte de la lecture, le besoin de trouver des chemins de fuite. C'est une expression qu'il reprend sans arrêt. Jonot, c'est quelqu'un qui est toujours en train de déserter quelque chose. Hein, c'est la fuite, c'est la désertion du réel. Il y a une chose magnifique quand il parle de Manosque à cette époque. Il dit c'était beau, mais calme, calme à la Tchekhov. Il a tout dit, là, je crois. Il eût été fils de notaire et il eût écrit « Bon, ma foi, ça aurait passé ». Mais être fils de cordonnier et se mêler d'écrire, c'est une chose que Manosque ne lui a jamais pardonnée. À 16 ans, bon, Jonot entre comme chasseur, comme coursier dans une banque de Manosque, en effet. Jusqu'à la guerre de 1914, son départ à la guerre, bon, qui sera en janvier 15, on ne peut pas dire qu'il ait composé des choses exceptionnelles. En tout cas, on ne peut pas deviner là le futur grand écrivain. Pendant la guerre de 1914, il écrit quelques petites choses, il écrit beaucoup de lettres. Alors des lettres qui sont peut-être déjà du roman, puisqu'il réinvente en quelque sorte ce qu'il vit. Quand on sait comment il va dans le grand troupeau faire le tableau de l'horreur de la guerre, peut-être celui qui est allé le plus loin dans la description apocalyptique de la guerre. Et quand on voit ses lettres à sa famille, où on a l'impression que vraiment il traverse une opérette, que c'est la guerre en dentelle, etc., évidemment, on se dit qu'il est déjà romancier. Sylvie Durbé-Giono. Je dis toujours, quand les vieux briscards ont fait une guerre, ils n'arrêtent pas de parler de leur rôle personnel dans la guerre, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu et tout ça. Mon père, pas du tout. Par exemple, la bataille du mont Kemmel, où il
Il avait assisté au départ de la bataille. Mais c'était les trois lanciers du Bengale qui nous décrivaient. C'était formidable. C'était vraiment un film en technicolore. Après-demain, 15 mars, sera présentée au Musée d'art moderne une exposition consacrée à un ouvrage unique, l'Apocalypse. Jean Giono a bien voulu donner lecture du texte qu'il a écrit pour cet ouvrage. Nous lui laissons la parole. Tu entendras parler de bien d'autres guerres, dit mon père, de l'entrechoquement des nations, du tremblement de terre et de famine. Ta vie sera brouillée de mille traces plus orgueilleuses. Quand Giono dit « je suis pacifiste », il le croit. Pierre Michon. Je crois qu'en fait, la guerre, au sens où Artaud le disait, je dédie ce livre à la guerre, ou je sais pas quoi, enfin, et aux mânes des grands morts. La guerre, pour Giono, malgré lui, et partout, non, et partout dans ses livres, je veux dire, la guerre, le sang, le meurtre, les militaires même. Mais il se trouve qu'à la guerre de 14, je crois, je vais dire quelque chose de pas gentil, mais je crois que je vais le dire. Il fait partie, moi j'en aurais fait partie aussi, des hommes qui ont eu peur. Il le dit sans arrêt, il le dit. Et quand on a peur à la guerre, on ne peut pas aimer la guerre. Donc il a été obligé de la reporter sur des choses comme le sadisme de Langlois ou le meurtre des petites filles par le... Ou bien, au contraire, dans une sorte d'altruisme flamboyant qui est celui d'Angelo, qui est aussi un héros. Il a été de toutes les boucheries héroïques, pratiquement. Verdun, le chemin des dames, les campagnes dans l'Aisne, les batailles des Monts des Flandres, où il a été gazé ou a failli perdre la vue. Il a eu une expérience, je crois, qui a été une expérience fondatrice et sans doute de déclenchement de sa vocation d'écrivain. Je crois véritablement que c'est à partir de ce moment-là, et on le voit d'ailleurs dans cette correspondance que Sylvie vient d'éditer, dans ce très beau volume « J'ai ce que j'ai donné », la plus belle des devises, je crois, pour Giono, qu'il apprend eh bien, à écrire, et avec son petit Stendhal dans son havresac, effectivement, qui ne le quitte pas. Stendhal est toujours là, à côté, et la Chartreuse, bien évidemment, la Chartreuse de Parme, dont il lit des extraits, dont j'aime à imaginer qu'il brode autour d'eux, à ses camarades d'infortune, dans les tranchées, et où il écrit aussi, bien évidemment, et notamment des lettres à sa famille, qui sont à la fois des merveilles de délicatesse d'un fils voulant rassurer ses parents dans l'orage d'acier qu'il y a autour de lui. Et je crois qu'il y a là véritablement dans cette épreuve extraordinaire. Hein, je serais peut-être un peu sévère à l'égard d'autres écrivains de cette même époque, qu'il s'agisse des grands Barbus ou d'Orgelès, mais qui ont su, eux, faire très vite de l'argent avec leurs témoignages. C'est peut-être un peu dur d'en parler ainsi, mais c'est la réalité. En tout cas, Giono n'a jamais voulu en faire de l'argent et il va mettre plus de 20 ans avant d'accoucher de cet extraordinaire récit qu'est le Grand Troupeau. Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues. Et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas de ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des tâches vont se préciser, le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir. Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres. Parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe. Les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons, tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé, qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte. Dans une espèce de liquide, sans couleur, informe et démoniaque. Chose tout à fait extraordinaire. 1928, dans les collections de lettres reçues par Giono, qui sont encore, pour certaines, ici dans cette maison, rien.
Jacques Méni. Trois lettres, mais d'amis. 1929 et 1930, Colline paru. Il a presque toute la littérature de son temps à ses pieds. Tout le monde lui écrit. La seule lettre de René Char que nous avons, 1929, qui lui demande un article pour une revue. Évidemment, c'est Gide. Gide fait le voyage de Paris à Manosque pour venir voir ce phénomène, quand même. Il paraît même qu'on l'a photographié pour être sûr, vraiment, si c'était un imposteur, pour pouvoir le démasquer. Et c'est la première photographie officielle qu'on a de Giono en 1929. Pierre Magnan, j'aimerais lire quelques lignes de la naissance de l'Odyssée. Ulysse s'arrêta devers une fontaine. La large stèle, camuse et ruisselante, s'érigeait au seuil du bosquet de cyprès. Son triple gosier déversait le cristal d'une eau amère. Il lava ses jambes, plongea ses bras dans le bassin où flottaient des grains d'avoine. De ses mains ballantes, des gouttes pleuraient comme la force liquéfiée de sa fatigue. La cyprière, courbée en lame de faucille, plantait sa corne noire dans les murailles de Mégalopolis. À la lisière, se balançait la silhouette d'une canéphore descendant des vergers. Derrière les feuillages et la ville, l'Arcadie se hérissait. Eh bien, Naissance de l'Odyssée, c'est le premier roman de Giono que j'ai lu. C'est le premier roman qu'il a écrit. Il a dû écrire ça dans sa 20e année, probablement, ou 25 ans peut-être. Naissance de l'Odyssée, c'est le premier titre, c'était Ulysse ou le beau mensonge. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'Odyssée n'existe pas et que Ulysse l'a inventé en revenant de son concubinage avec Circé, et que pendant ce temps, il a au fur et à mesure inventé l'histoire pour que Pénélope croie qu'il avait effectivement rencontré tous ces impedimenta en route, et non pas qu'il était resté paresseusement au pied de Circé pendant 7 ans. Voilà, c'était le postulat de Naissance de l'Odyssée, c'est ça. Manosque, à l'époque de Giono, à l'époque où Giono avait 20 ans, c'était la Grèce. Il y avait peut-être 2 automobiles. La civilisation était une civilisation équestre, une civilisation du cheval. Hein. Et tout le monde marchait. Giono a énormément marché. Il ne faut jamais oublier ça quand on parle de son œuvre. C'était un très très grand marcheur. Il pouvait faire des dizaines de kilomètres. Et donc, le paysage à la fois intime et le paysage réel de Manosque ne pouvait s'accorder qu'avec un auteur qui aurait une vision hellénique des choses. La première fois où j'ai vu Giono lire, je devais avoir 4 ans, il était au bord d'un bassin qui était à la fois moitié plein et moitié vide, et il l'est toujours. Et Giono, je ne savais pas que c'était Giono, mais il était à côté d'un monsieur que je connaissais bien, monsieur Rodortier, propriétaire de vignes, et il était en train de lui lire l'essence de l'Odyssée. Il lui lisait le premier chapitre de l'essence de l'Odyssée. Et ce bassin, entouré de cyprès, était exactement ce que Giono en avait tiré pour faire l'œuvre. Chez Giono, il y a le goût de la montagne. Alors, l'Ure, c'est la montagne donc, de la Haute-Provence. Il parle un peu du Ventoux, mais moins. Et puis, la montagne des Alpes, donc du Dauphiné. Il a le goût de la montagne, pas seulement pour des raisons tout à fait banales, parce qu'il fait plus frais l'été, ou parce que, comme il dit, on trouve moins d'imbéciles à 3000 mètres d'altitude qu'au bord de la mer, mais ça, c'est un phénomène statistique. Enfin, bon. Il s'amuse avec ça. Il a la montagne a chez lui valeur c'est quand même de symbole. Il faut dire vraiment les choses comme elles sont. C'est aller vers les sommets. Les personnages de Giono, les grands personnages de Giono, les héros, montent toujours. Ils vont de la vallée ou de la plaine ou de ce que Giono appelle la table rase, qui est une expression qui revient souvent chez lui. Et devant la table rase, il y a la montagne. Et le but, c'est d'aller à la montagne, c'est-à-dire d'aller vers les sommets de la poésie et de l'art.
Il le dit au début de voyage en Italie. Quand je me promène à Manosque, je vais toujours le long du canal, là, qui est derrière nous, là, vers les montagnes qu'on aperçoit au loin là-bas et qui sont souvent blanches, ou blanches l'été sous le soleil parce qu'elles sont de calcaire, ou blanches en hiver parce qu'elles sont couvertes de neige. Et cette blancheur est quelque chose qui, pour lui, est absolument typique de la montagne. C'est la montagne d'Anne Beaumugne, d'où vient Albin. Mais celui qui va vers la ville, vers Marseille, la mer, c'est le mauvais garçon. Hein. Donc, il y a vraiment le monde des villes, des plaines, le monde du travail, le monde surtout du commerce, qui est le monde de la prose. Hein. Manosque, dont le cœur est une table de multiplication, il écrit dans Manosque des plateaux. Et puis, il y a la Manosque des plateaux, c'est-à-dire celle qui est en dehors des murs, celle qui est dans ce qu'il voit autour de lui, qui en effet des reliefs et des montagnes. Il a besoin du relief. La montagne a quelque chose d'exaltant pour lui. D'où la nécessité, quand il va faire au cinéma Roi sans divertissement, de le faire sur un plateau. Puisque à l'image, sur une image réelle de cinéma, il a eu cette intuition géniale qu'il ne fallait pas tourner son roman à la montagne. Comme il se passe dans la chronique de 1946, qu'il fallait le faire sur un plateau nu, désert, la table rase, la page blanche. Michel Gazier. Je crois que dans l'œuvre de Giono, une des œuvres de Giono, qui est sûrement pas la meilleure, mais parce qu'on l'a analysée pour des raisons mélodramatiques, elle a eu, c'est Anne de Beaumugne. Mais dans Anne de Beaumugne, il y a un élément qui me paraît fondamental, c'est celui de la langue. La langue que l'on coupe à ces gens de la montagne, qu'on envoie dans la montagne plus exactement, parce qu'ils n'ont pas la même religion, qui vont faire des harmonicas, les fameux monicas, dans lesquels ils vont s'exprimer, donc ils inventent une langue qu'ils vont parler entre eux. Leurs enfants, eux, parlent la langue de tout le monde, mais connaissent cette langue-là. Donc ils n'abandonnent pas la langue maternelle, entre guillemets, mais ils l'ajoutent à l'autre. Et puis, les générations qui passent ont oublié la première langue et ont oublié l'histoire, mais il reste encore des mots de cette première langue. Et je crois que cet empilement des langues, ce mélange des langues et des origines diverses de ces langues, c'est tout à fait une métaphore de l'écriture de Giono. Il y a une structure linguistique qui est une structure linguistique classique. C'est la langue du 18e. Absolument, c'est du Voltaire, c'est vraiment, c'est cadré, c'est carré, ça coule, il y a une élégance de langue, mais le classicisme en général exclut tout apport. Hein. La langue classique n'a eu de cesse de couper les ailes et d'élaguer. Or, lui, il garde la structure classique et il va rajouter à l'intérieur de cette structure classique des éléments qui sont des apports extérieurs qui vont l'enrichir. Je me souviens, quand je lisais ces textes de Giono enfant, combien ça me parlait, cette langue-là, parce que c'était aussi la langue de la familiarité. C'était la langue que j'entendais autour de moi dans un contexte qui n'était pas la langue parlée. Il y a notamment cette utilisation de l'expression « un taille de jambon ». Et un taille de jambon, c'est pas seulement une tranche de jambon. Une tranche de jambon, c'est ce que vous achetez, c'est même sous cellophane parfois. Mais un taille de jambon, c'est pas ça. Le taille de jambon, vous avez le jambon, vous avez le couteau, vous avez la position, vous avez l'odeur, vous avez le geste familier, vous avez le geste, on raccroche le jambon dans la cheminée pour qu'il soit, il soit parfumé par la fumée. C'est tout ça dans un taille de jambon. Les images, ou les métaphores, ou le choix adjectival, dans Giono est toujours profondément énergétique. Giono est profondément un homme du Sud, mais d'un Sud tellement vaste, je dirais qu'il va de l'Italie jusqu'au fin fond de l'océan Indien, puisque Fragment d'un paradis, etc. On va vers Tristan d'Acunha, l'Atlantique, c'est près de Sainte-Hélène, etc. Donc, il y a des choses, par exemple, le soleil. Le soleil, il ne supporte pas le soleil. Il déteste la chaleur, ça, il le répète à longueur de lettres, il souffre de la chaleur. D'où le fait qu'il va aller vers la montagne de plus en plus souvent à partir de 1929, surtout pendant les périodes d'été. Il y a un personnage dont il parle, qui est
c'est son autoportrait qu'il fait. Bon, Giono fait très souvent son autoportrait dans ses livres à travers ses personnages. Alors, en plus, alors quand Giono écrit sur un autre écrivain, comme Melville, comme Virgile, alors là, c'est de l'autobiographie presque à 100%. Mais il y a dans Le Bonheur fou cette phrase parlant de Cerruti, qui est un des personnages, et qui est Giono. Quoique typiquement du Sud, au physique comme au moral, Cerruti aimait la pluie, les brumes, les paysages voilés, le froid. Il détestait le soleil, surtout celui qu'on appelle le grand soleil. Sa mauvaise saison était l'été. Deuxième bobineau, Monsieur Jean Giono, lecture d'un chapitre des carnets, quand vous voudrez. Alors je sais qu'il y a un problème démographique à résoudre et qu'il faut loger les gens. Mais qu'on ne dise pas que c'est le plus important. Le plus important est d'avoir sous nos yeux un monde dont l'aspect ne nous fasse pas vomir. On doit pouvoir construire de belles maisons. Les générations qui nous ont précédés l'ont fait. Sommes-nous donc si imbéciles, si incapables que nous ne sachions plus le faire ? La première année où je suis allé au Contadour en 1936, Giono était en train d'écrire « Bataille dans la montagne ». Et Pierre Magnan. C'est curieux parce que quand il a traduit Moby Dick, il s'habillait en marin. Quand il a écrit « Bataille dans la montagne », il s'était fait une superbe calotte de montagnard avec l'étoile de l'étoile blanche, vous savez, sur le... Et il avait mis une cape, de pas de berger, mais de montagnard. Il avait le sens du déguisement, c'est curieux. Il aimait se déguiser. Et comment ça se passait, ces rencontres ? D'abord, le Contadour, ça se trouve où, précisément ? Ça se trouve à 1200 mètres d'altitude. C'est un plateau vallonné qui se trouve à 10 km de Bannon, environ, chef-lieu de canton des Basses-Alpes. Quand je suis arrivé au Contadour, ça représentait 30 personnes, pas plus. Qui chaque soir écoutait Giono lire une partie de Bataille dans la montagne qu'il était en train de rédiger. Et ses amis commençaient à faire la critique de ce qu'il venait d'entendre. Le maître mot du Contadour, c'était l'amitié. Il y avait là un certain nombre d'amis qui suivaient Giono depuis le début de sa carrière, qu'il avait toujours suivi. C'était d'abord, il se tutoyait. Hein. Le tutoiement était absolument. Je n'ai jamais pu y arriver, ni à tutoyer les amis de Giono, ni Giono lui-même. Il va sans dire. Je n'ai jamais pu tutoyer Giono. Et pourtant, au Contadour, le tutoiement était de rigueur. Et même, il était particulièrement recommandé. Il y avait là des tas de gens. Ils étaient tous contre la guerre. C'était le dénominateur commun. Ils étaient pacifistes. Et on peut dire aussi que c'était un milieu de gauche qui se retrouvait dans ce lieu. Il va sans dire. Mais il n'y avait pas de préférence. On parlait rarement de communisme, par exemple. Bien que Giono m'ait fait lire les procès de Moscou dès que j'ai eu 15 ans. Hein. Donc il y avait quelques communistes quand même. Récemment, on a retrouvé un rapport du commissaire de police au préfet sur Giono en 1940, fin 40. Parce que Giono inquiétait les autorités. Il a inquiété les autorités en 39, puisqu'on l'a mis en prison 2 mois pour un peu le faire taire s'il avait eu des velléités d'agiter la population contre la guerre qui venait d'être déclarée. Donc 2 mois au Fort Saint-Nicolas à Marseille. Et à ce moment-là, on a retrouvé des notes aussi aux archives départementales. Dans la presse, il y a des consignes très strictes de taire son nom, évidemment de ne reproduire aucune de ses déclarations et de ne même pas faire mention de son emprisonnement. Et ce commissaire de police, un an plus tard, en 1940, écrit que Giono est véritablement sans influence sur la population manosquine, qu'il a 2-3 amis d'enfance qui écoutent vaguement ce qu'il dit, qu'il semble avoir une indifférence aussi totale vis-à-vis de la population que la population vis-à-vis de lui, et que donc c'est un personnage dont il n'y a rien à craindre pour la sécurité publique. C'est très intéressant, d'autant plus que ce commissaire très subtil, qui donne un excellent portrait de Giono, que Sylvie Giono aime beaucoup d'ailleurs, et que nous publierons d'ailleurs dans notre revue, ce commissaire dit, vous savez, il reçoit des artistes, il reçoit des cinéastes, il reçoit des gens de son milieu, et finalement, c'est un doux rêveur qui n'a absolument, mais aucune possibilité, et surtout aucun talent pour mettre
en action ses idées. Donc rien à craindre de ce monsieur. Pendant la guerre, Jeannot a... André Reynaud. Hébergé un pianiste absolument extraordinaire. C'était un juif allemand. Et il a fait passer pratiquement toute la guerre. Il se cachait. Il avait un gros défaut, mais il sait qu'il ne pouvait se déplacer qu'avec son piano. Il tapait fort dessus. Alors quand on est caché, ça pouvait poser quelques problèmes. De temps en temps, d'ailleurs, ça mettait Jean Giono un peu en fureur. Il va tout nous faire reprendre. Ce qu'on lui a reproché, le reproche essentiel, ça a été... l'histoire de l'article qui a été publié dans le Signal. Mais il faut bien se souvenir que avant la guerre déjà, Jeannot était traduit en Allemagne et qu'il y avait au moins 6 livres de lui qui étaient traduits en allemand. Il avait donc énormément de lecteurs allemands. Et ces lecteurs allemands, il y en a eu automatiquement, la plus grande partie, ont été mobilisés dans la Wehrmacht. Bon. Et il y a eu quelques personnages qui sont venus voir Jeannot en tant qu'écrivain parce qu'ils étaient lecteurs. Que pouvait-il y faire ? Et on pensait jusqu'à peu que, après les avanies de la publication en feuilleton de Deux Cavaliers de l'Orage en 1942, dans la gerbe de sinistre mémoire du très vichysois Alphonse de Chateaubriand, et le scandale que cela va provoquer à la Libération, ce sera l'un des griefs que l'on va faire à Jeannot d'avoir publié dans la gerbe Deux Cavaliers de l'Orage. On oublie qu'une première partie en avait été publiée dès 1940 sous le titre « Histoire des jasons » dans la NRF. Et ensuite, eh bien, on considérait jusqu'à peu que, jusqu'à la publication de l'ouvrage dans les années 60, sous une forme remaniée, Jeannot avait laissé de côté ce livre maudit ou livre de la malédiction, puisqu'il s'agit en fait de l'amour fratricide, finalement. Thème qui traverse l'œuvre de Jeannot, hein, qui est un thème très important et encore insuffisamment exploré. Il y avait une question de personne. Jeannot avait embrassé un peu le communisme à un moment et il a été défenseur de Victor Serge, par exemple, bon, avec plusieurs de ses amis. Donc les communistes ne lui ont pas pardonné, les communistes d'obédience stalinienne ne lui ont jamais pardonné ça. Et puis il y avait l'histoire d'Aragon. Aragon était basalpin comme Jeannot. Il ne faut jamais oublier ça. Je veux dire que les attaques qu'a subies Jeannot pendant la guerre, et justement même son incarcération, sont plutôt des vengeances qu'autre chose. Jacques Méni, il va y avoir des haines réciproques qui vont se cristalliser autour d'un certain nombre d'événements. Une légende, par exemple, d'un Jeannot qui serait favorable à Vichy ou aux Allemands qui va naître ici, alors que c'est entièrement faux. Et c'est en grande partie pour le faire échapper à, disons, à une expédition punitive qui aurait été dirigée contre lui en 1944 ou début 1945, que finalement les patrons de la résistance des Basses-Alpes, dont beaucoup sont ses amis, vont en quelque sorte le mettre à l'abri. Car Jeannot n'a pas été emprisonné, il a été emmené dans un camp, à Saint-Vincent-les-Forts, mais on sait aujourd'hui, par des témoignages des résistants et de leurs descendants, que ça a été pour le mettre à l'abri d'une exécution, car on voulait vraiment sa peau ici. Je me trouvais dans une vieille prison dont les murs étaient couverts de salpêtre et de toute cette carte de géographie extraordinaire que pouvaient faire les boursouflures de salpêtre sur le plafond. Alors je me mettais à plat dos sur mon lit, et je regardais la carte de géographie prodigieuse de mon plafond. Dans cette carte de géographie prodigieuse, il y avait des continents, il y avait des îles, des archipels, des presqu'îles, des isthmes, de tout ce qu'on veut, des continents extraordinaires d'un monde tout à fait imaginaire et tout à fait inconnu, nouveau par conséquent, le blanc sur toutes les cartes définitives. Voilà. Alors, couché sur mon lit et les yeux au plafond, je faisais d'immenses périples. Je partais d'un coin avec un petit bateau
et j'allais me balader dans des mers invraisemblables. Alors, dans ces mers, il y avait des rencontres de personnages, de monstres, de poissons, de tempêtes, d'orages, de tout ce que tu peux imaginer. Et à ce moment-là, la prison ne compte absolument plus. 1945, Genou est dans le trou, est au fond du trou, après avoir été 5 ans avant, au sommet, avec ma joie de meurtre. Il va y avoir 3 ans vraiment très très difficiles, mais c'est les 3 années où il fait le plan quasiment de tout ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire d'abord le cycle du Hussard, parce que Genou à partir de 1945, ça va partir en gros dans 2 directions pendant au moins 10 ans, c'est-à-dire le cycle du Hussard, qui devait comporter 10 livres au départ, bon il y en a 4, hein, et les chroniques romanesques, qui vont être une suite de chefs-d'œuvre qu'on connaît, Un roi sans divertissement, Noé, Les âmes fortes, Le moulin de Pologne, Les grands chemins, bon, et plus tard Edmond, Iris de Sus, qui peuvent être attachés au genre, puisque c'est un genre que Genou s'invente en quelque sorte. Genre qui est d'ailleurs aussi là très inspiré par les chroniques faulkneriennes, hein. Bon, c'est évident. Parce qu'à ce moment-là que Genou revendiquera à propos des chroniques son sud imaginaire, son sud inventé, et on lit bien dans ses carnets de travail que quand il lit des entretiens de Faulkner, dans Faulkner à l'université, il met « Ah, c'est comme moi !» Qu'est-ce qui a pu faire peut-être plus plaisir à Genou dans sa vie que le jour où Henry Miller, qui était son ami, mais son ami épistolaire, Henry Miller est venu dans cette maison, mais Genou n'y était pas. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, ils ont correspondu pendant un certain temps. Henry Miller écrit dans « Les livres de ma vie » Il y a un écrivain en France qui est comme notre Faulkner. Genou est comme notre Faulkner, écrit Henry Miller. Il invente un monde beaucoup plus vrai que le monde réel, mais un monde imaginaire. Un des mystères aussi, parce que Genou est un personnage où les contradictions sont absolument un degré de tension exceptionnel. Ce personnage qui est charmant, qui est gai, qui est déconnant, on pourrait dire, à certains moments, et le grand tragique, peut-être, de son temps. Et son œuvre est une œuvre tragique, mais avec cette chose extraordinaire qui va venir progressivement, c'est l'humour, c'est l'ironie, c'est cette espèce de distance avec laquelle il va nous raconter les pires horreurs, et qui va faire qu'on a une jubilation à le lire, alors qu'il est en train de nous raconter des trucs absolument délirants. Le sang dans Deux cavaliers de l'orage, les meurtres dans Un roi sans divertissement, le destin qui s'abat sur les familles du moulin de Pologne, le choléra qui dévaste Manosque, et tout ça. Et plus c'est tendu dans le tragique, plus il y a une jubilation à écrire chez lui, qui se voit sur le manuscrit. Qui se voit parce qu'il y a, à ce moment-là, il n'y a presque plus de rature, les lignes se serrent dans la page, il y a une espèce de force comme ça de la plume qui s'appuie sur le papier. C'est absolument fascinant de regarder ces manuscrits où Genou, en sorte, libère complètement tout ce sens du tragique de l'existence qui est en lui. Il avait quelque chose de plus quand même, c'était la bonté. Ça, c'est la vérité. Ça, alors, c'est même extraordinaire. Je me suis demandé comment il pouvait être l'oubli des offenses. Alors là, l'oubli des offenses que je lui ai vu, c'était incroyable. Un gars qui avait dit qu'il allait être fusillé, le lendemain, il le rencontrait, il lui serrait la main. Avec Aline, on en était complètement catastrophé, ce genre de choses. Il était capable de pardonner, mais... Pierre Magnan. Il n'aurait jamais quitté Manosque. Jamais. Bien qu'il ait dit... Moi, il m'a raconté... il m'a dit, ah ben tu sais, après la guerre son incarcération de 44, il m'a dit... Et tu sais, Pierre, ça y est, je pars pour le Mexique, je quitte Manosque, j'ai demandé à Bonnet, c'était le tailleur de Pierre, j'ai demandé à Bonnet de me transporter mes tombeaux au Mexique, et il me disait, tu sais, le Mexique, c'est formidable, hein, le matin... Tu te réveilles au pied d'une colline et c'est devenu un volcan de 3000 mètres de haut. Et puis, tu sais, là-bas, la communion se donne au lasso. Parce que les Mexicains commettent des péchés si gros qu'ils n'osent pas venir les confesser à l'église. Alors, le matin de la confession, le prêtre part avec un lasso et il les ramène à l'église avec le lasso. Il me dit, c'est formidable le Mexique. Et puis, tout d'un coup, il tombait, il rallumait sa pipe. Et puis il me disait, qu'est-ce que j'irai foutre moi au Mexique?
dans le fond, qu'est-ce que j'irais foutre, moi, au Mexique? Eh bien, c'était ça, Giono. J'aime beaucoup, ben, naturellement, ne parlons pas de Shakespeare, de Marlowe, du théâtre élisabétain, ne parlons pas de tout ça, mais je vais te dire quelques types que j'aime beaucoup, c'est Swift, par exemple. J'aime beaucoup Boswell, surtout dans La vie de Johnson. J'aime Dickens. J'aime beaucoup Dickens. J'aime Sterne. J'aime... qu'est-ce que j'aime encore? Alors récemment, pour les modernes, il y a toute une famille de fils de pasteurs, les Powys. J'aime beaucoup Theodore Francis Powys. J'aime beaucoup celui-là, qui a écrit Le bon vin de M. Weston et De vie à trépas. Ça, ce sont des livres extraordinaires que j'aime beaucoup. La plus belle phrase du cycle d'Angelo, qui est « Il était au comble du bonheur », la phrase est dans Stendhal. La phrase est dans Stendhal. Et c'est un leitmotiv du cycle d'Angelo. « Il était au comble du bonheur ». C'est aussi un personnage, Angelo, cette espèce de... cette santé, cette bonté. On parlait de la bonté d'Angelo. Cet appétit, c'est comme dans Les Trois Mousquetaires, il se fait monter. Vous avez quelques œufs? Oh, j'en ai une trentaine. Faites-moi ça en omelette. Est-ce que vous avez un poulet? C'est Les Trois Mousquetaires, c'est Dumas. Melville, bien sûr. Bien sûr que Melville est pas dans Fragments d'un paradis. On a Melville directement. Et cette phrase si belle, qui je crois vient de quelqu'un d'autre, qui est dans Fragments d'un paradis, qui est. Je ne sais plus le nom de l'homme qui est dans cette phrase, mais disons qu'il s'appelle Michon. Je le dis comme quelques hommes très rares, Monsieur Michon avait une mère. Et ça, ça vient de quelqu'un. Mais à mon avis, c'est en russe. Je ne sais plus lequel. Ça viendrait de Tolstoï, que ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'à l'écouter, Giono n'a pas lu grand-chose, finalement. Christian Morzewski. Il n'a pas lu Les Modernes, le nouveau roman, il prétend savoir à peine ce dont il s'agit. La psychanalyse, l'anthropologie, tout ça sont des mots trop barbares pour lui. Et pour celui qui a la curiosité d'aller voir d'un peu près dans cette fabuleuse caverne d'Ali Baba, qui est la bibliothèque du Paraïs, la maison de Giono, on découvre qu'il a tout lu. Finalement, quasi tout, que non seulement effectivement ceux qui sont ses inspirateurs favoris, ça, sans doute Stendhal, Machiavel, Don Quichotte, les grands grecs, comme il les appelle aussi, il les a lus, pratiqués, annotés, etc. Mais que les modernes, y compris les modernes, effectivement, il les a lus, annotés, peut-être pas toujours jusqu'au bout, effectivement. Certains livres, visiblement, lui tombent un peu des mains, et le nouveau roman n'est pas ce qui a sa faveur. Mais s'agissant également des études critiques, littéraires, psychanalytiques ou autres, on est très surpris de trouver de très riches rayons qui ont été, pour le coup, lus, annotés, effectivement, avec dans des marginalia quelquefois savoureuses, effectivement, ici et là, une interjection, là ou ailleurs encore, un mot pas toujours amène à l'égard de l'auteur. Et cet aspect-là nous fait découvrir un Giono qui avait acquis, bien évidemment, une érudition tout à fait fabuleuse. Pour Giono, écrire, c'est d'abord tracer des signes d'écriture sur une page, avant même que ça ait du sens, ou que ça fasse récit, ou que ce soit de la beauté. Donc c'est vraiment le besoin matériel, physique, d'écrire, sensuel. Il y a une sensualité à écrire à la plume chez Giono, mais c'est un rituel qu'il va mettre au point progressivement, perfectionner, donc avec un choix, la plume sur un petit, vous voyez, sur un petit bout de roseau, ce sont des plumes Nostradamus, il fait une fente dans le roseau, il enfile sa plume, toujours à l'encre noire, très léger, il le dit, mais c'est vrai, moins de 2 grammes, parce qu'il a toute la journée cet outil dans la main. Et alors une encre très noire, et un papier qui va varier de couleur ou de support dans les premières années, mais qui va assez vite, systématiquement, devenir un papier couleur paille. Donc, dit-il, pour le repos de sa vue, à cause de la lumière assez vive qu'il peut y avoir sur la feuille, le papier blanc, à cause de ses yeux fragiles, qui avaient été gazés aussi en 1917, 16 ou 17, et qui était fragile, mais aussi à cause de la transparence de cet œil. Donc je pense en effet qu'il ne voyait pas tout à fait, même physiquement, les choses comme nous.
Ça a fait une drôle de fanfare. Il a des coups de rasoir sur tout le corps. Le dos, les flancs, le ventre. Il n'y a que sur le groin qu'il en a pas. Des petits coups, vous allez voir. Pas profond, mais ça donne du sang. Hein. Je vais le voir, commandant. Oh, c'est autre chose. Pourtant, j'en ai vu du sang dans ma vie. Nous sommes tous capables de crimes comme celui-là. Cet assassin n'est pas un monstre, c'est quelqu'un comme vous et moi. Quelqu'un comme vous et moi, mais évidemment un roi. Clara ? Oui ? Comment appelles-tu l'amour ? Pas l'amour, monsieur le procureur. La bête à deux dos. Le théâtre du pauvre. Le théâtre du pauvre. Eh bien, trouvez-en un qui ne s'en contente pas. Et vous aurez le théâtre du riche. Ou plus exactement, puisqu'il s'agit d'âmes. Le théâtre du roi. Le sang. Ma première rencontre avec Giono, c'est les premiers Giono. C'est Regain, comme Joie de Meur, bien sûr, mais le Chant du Monde, surtout. C'est les westerns. Quoi, les Pierre Michon. J'ai lu ça avec une passion phénoménale à 18 ans, je dirais, comme tout le monde. Et puis, j'ai laissé tomber Giono pendant au moins 10-15 ans. Et je l'ai relu, je dirais, dans les années 75, peut-être. Et là, j'ai lu ce qui, pour moi, est le livre de Giono, que je lis tous les deux ans, Un roi sans divertissement, qui est un chef-d'œuvre absolu, enfin, un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Giono, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter d'écrire, mais qui n'a aucun souci à laisser dormir un livre pendant un an, un livre en chantier. Donc, il repart. Et par exemple, Un roi sans divertissement, ça s'est attesté par les documents de travail. C'est vraiment un livre qui est parti tout seul. Et en un mois, il va écrire, sans plan pour la première partie, sans notes de régie pour les différents régimes de narration du roman, qui sont d'une grande complexité, il va écrire ce livre qui, pour moi, est un des plus grands livres de la littérature moderne, et je crois pour beaucoup d'admirateurs de Giono, le chef-d'œuvre ou un des chefs-d'œuvre tout premier de Giono. Alors, arrêtons-nous sur Le roi sans divertissement pour, je dirais, souligner sa singularité absolue. C'est une étape de renouvellement dans l'écriture de Giono. C'est un livre qui mêle plusieurs genres. On est à la fois dans une sorte de thriller, de roman d'analyse psychologique et puis de roman historique. Enfin, il y a une sorte de va-et-vient qui va au-delà de ces genres pris individuellement. Il en fait quelque chose d'extraordinairement original. Il va introduire, pour la première fois dans un roman, dans une écriture de fiction en tout cas, il le faisait dans les essais ou dans les nouvelles, pas dans la fiction, il va introduire un nombre de références littéraires incroyables. Vous avez Perceval, vous avez Pascal qui donne son titre au roman, mais vous avez du Dante caché que Pierre Citron a détecté, vous avez un nombre de références incroyables, c'est dit, oui, le roman policier, bien sûr Faulkner qui traîne toujours par là, c'est inouï, et tout ça se fait en un mois, au fil de la plume, c'est un livre miraculeux, c'est un livre qui est tombé, la grâce, l'inspiration, mais et en plus c'est un livre qu'il écrit dans la plus grande gaieté. Il écrit ça dans une jubilation, il s'amuse, il se divertit, mais en s'amusant, c'est vraiment le roi s'amuse, là. Il assista avec moi à la première représentation du cinématographe. On la donna dans la plus grande épicerie de la ville qu'on avait pour l'occasion débarrassée de ses fûts de pétrole, de ses barils d'anchois, de ses baquets à tremper la morue et de ses sacs de cassonade. Nous étions debout, adossés aux étagères du filo chinois. Il vit comme moi la photographie animée reproduire la marche d'un train et le vent dans les arbres. C'est surtout la reproduction du vent qui l'impressionna. Des 4000 habitants de notre petite bourgade, personne n'était resté chez soi, tout le monde était massé sur le trottoir de l'épicerie. On entrait par paquet de vin, la séance durait un quart d'heure, il me fit faire la queue une deuxième fois, à ma grande satisfaction d'ailleurs, pour aller revoir le vent. Au retour, il imagina la photographie d'un typhon. Il disait, lui, à la mesure de ses espoirs, la photographie de typhon. En tant qu'artiste,
quand il a réfléchi au cinéma, il a eu des ambitions très hautes pour le cinéma, comme il en avait en littérature. Jacques Méni. Et il a pensé à un moment, au temps du cinéma muet en particulier, que c'était là vraiment un nouveau moyen d'expression, qu'il pouvait apporter une manière de faire des images, comme lui faisait des images avec de l'encre et du papier, sur un écran. Il pensait qu'on pouvait projeter des images mentales par exemple, ou des images subjectives en tout cas, qui allaient frapper le spectateur plus directement encore que les mots, parce que ça ne passait pas par le vecteur de la lecture. Et ça, ça l'a rapproché de pas mal de cinéastes ou de films de l'avant-garde des années 20, où les effets de montage, de surimpression, d'images mentales, etc. étaient très présents. D'où aussi sa rencontre après avec Abel Gance, avec qui il a eu des projets. Et je pense qu'il y a eu une certaine influence, même des formes de cinéma de Gance, de Napoléon en particulier, sur Giono. Il y a une chose qui est très frappante, c'est que quand Giono devient lui-même metteur en scène en 1960 avec Crésus, il revient sur les films de Pagnol et il dit, non pas c'était mon univers déformé, détourné, travesti en quelque sorte, parce que bon, on passait de la tragédie au mélodrame, en gros c'est ça, ou à la comédie villageoise. Non, il dit, ce que je n'aimais pas dans ces films, c'était qu'il n'y avait pas de mise en scène. Or, bon, aujourd'hui on sait que Pagnol est un très grand cinéaste, c'est un grand metteur en scène, mais pour Giono, la mise en scène, c'était un spectacle. C'était quelque chose qui devait frapper l'œil et qui devait emporter le spectateur par le visuel, par le mouvement et par la force du paysage. C'est-à-dire que Giono, qui n'aime pas le théâtre, qui n'aime pas beaucoup écrire pour le théâtre, reproche finalement une forme de théâtralité, qui est aussi de la mise en scène, mais il reproche à Pagnol de faire du théâtre, finalement, du théâtre filmé. Donc, l'histoire de Giono avec le cinéma, qui va être relancée après beaucoup de projets qui n'ont pu aboutir, par le scénario de L'eau vive, film sur la construction du barrage de Serponçon et l'aménagement hydroélectrique de la Durance, film de commande, mais film dans lequel Giono va s'investir à fond, et par le scénario, par sa présence, par le tournage, à tel point que, là aussi, n'étant pas très satisfait du résultat, malgré la sélection au Festival de Cannes et d'excellents échos, reçu du film, Giono va décider de passer à son tour à la production, à la mise en scène, de devenir un cinéaste nouvelle vague, après avoir été un admirateur de l'avant-garde, qui était la nouvelle vague des années 20, en quelque sorte. Un cinéaste nouvelle vague, auteur, producteur, réalisateur, faisant des films en toute liberté, et ce sera le seul exemple, ce sera Crésus. Et puis après, il fera sa très belle adaptation d'Un roi sans divertissement, mais dont il confiera la mise en scène à François Le Terrier. Et tous les projets qu'il avait, parce qu'il a écrit, je sais pas, 15 ou 20 scénarios que j'ai retrouvés, qu'on a publiés, encore un inédit l'année dernière dans la revue Giono. Tous ces projets, finalement, ont été remis en cause par l'échec financier des films de Giono, qui étaient beaucoup trop complexes. C'était des films d'écrivains. Mais François Truffaut avait dit cette chose merveilleuse à propos de L'eau vive. Jean Giono est certainement l'écrivain français qui pourrait apporter le plus au cinéma. L'eau vive qui avait été saluée par Jean Renoir. Et en même temps, Giono voulait travailler avec Buñuel. Il a failli travailler avec Abel Gance. Et tous ces rendez-vous avec les très grands metteurs en scène de son temps n'ont pas fonctionné, n'ont pas marché. Ça coûte un argent fou. Aujourd'hui, Mademoiselle Delphine, c'est un jour sans arithmétique. Il est défendu de consommer de l'arithmétique. Il faut économiser l'arithmétique. L'arithmétique se venge toujours de ceux qui l'économisent. Sauf quand les premiers sont les derniers, Mademoiselle Delphine. On n'arrive à rien avec de semblables méthodes. Mais on veut arriver nulle part. On est déjà arrivé. On est déjà là. On veut rester un point, c'est tout. Mais Jules, pourquoi fais-tu tant de mystères ? De mystères ? Mystère, monsieur le curé. Quand il y a de l'argent, il y a toujours du mystère. Mais il n'y a qu'à voir dans La voleuse de bonheur. C'est Rodolphe qui a l'argent, il se suicide avec un poignard et c'est plein de mystères. Il n'y a pas besoin de poignard, ça c'est facile, c'est tellement facile que. C'est un copain. Sylvie Giono, votre père aimait le cinéma, il a écrit, il a été obsédé par cet art qui, d'une certaine manière, a dû conditionner son propre travail d'écriture. Il vous emmenait également au cinéma quand vous étiez petite fille ? Ah, bien sûr, nous y allions tous les samedis soirs à tel point qu'il avait sa place réservée au cinéma, au casino. C'était la place de M. Giono et puis nous avions les places à côté. Alors vous pensez, oh là là,
C'était un plaisir et en plus une espèce de fierté. On était toujours accompagné de notre chien d'ailleurs, qui restait pour la première partie du film. Et ensuite, à partir de l'entracte, il repartait. Après, il en avait assez, mais il était sage, assis, il regardait bien l'écran. Et à l'entracte, il repartait, il rentrait à la maison. Voilà. Mais tous les samedis soirs, nous allions au cinéma. C'est comme ça que j'ai vu des tas de films. J'ai été très impressionnée par un film de catégorie presque Z. Un film qui m'a terriblement impressionnée par la suite qu'en avait apporté mon père. Comme c'était un film qui s'arrêtait un peu sur un suspense, pendant tout le chemin de retour du cinéma à la maison, mon père, dans la nuit, nous a raconté la suite qui se passait en Amazonie et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai volé des choses à Giono. Pierre Michon, comme tout le monde. Par exemple, dans un de mes livres, je décris l'orgasme comme la foudre bleue. Et c'est un mot de Giono. C'est dans Les Cavaliers de l'Orage, la foudre bleue. Il y a d'autres choses que j'ai piquées à Giono. Dans Ville Joseph Roulin, je dis que la charité, enfin la charité, l'hôpital de la charité à Marseille, vide, il était vide à l'époque, je crois, où il y avait une garnison, enfin, sangle sans pierre d'un vol énorme d'hirondelles. Eh bien, ce vol énorme d'hirondelles, je l'avais lu l'après-midi même dans le bouquin, je pense, puisque je l'ai retrouvé relisant Mort d'un personnage il y a 3 ans. Ce vol énorme d'hirondelles vient tout droit de Giono. Vient-il de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Mais il en vient. Écoutez, je vais vous surprendre, mais moi j'ai parlé de Giono par hasard, cette année à 2 personnes, extrêmement différentes dans le monde littéraire. On ne peut pas être plus différent. C'est Echenoz et Millet. On ne peut pas être plus différent. Et les deux adorent Giono. Bon, Millet, on le comprend un peu. Echenoz, on ne s'en douterait pas. Il adore Giono. Je crois que les contemporains aiment beaucoup Giono. C'est quand même... ne serait-ce que par le plaisir de lecture, même si on n'a rien à lui prendre ni à lui imiter. C'est quand même une telle machine à raconter qu'on ne peut pas... À raconter sans démagogie. Parce que très souvent, les écrivains provençaux, il y a un petit peu de démagogie tout de suite qui se glisse. Il n'y en a pas dans Giono. Il y a chez Giono un univers qui peut être... il l'a été parfois au cinéma, entre autres, détourné vers quelque chose de folklorique, alors de pittoresque. Et le pittoresque, bon, ça, c'est, à mon avis, c'est pas ce par quoi on va définir Giono. Donc on va laisser tomber. Mais toute personne qui écrit aujourd'hui dans ce lien profond avec un enracinement, savoir qu'écrire, et il y a un certain nombre d'écrivains comme ça, pour lesquels écrire, c'est pas parcourir une surface, c'est creuser un trou. Toujours le même, et descendre de plus en plus bas. Et plus on descend, plus le trou a l'air petit, plus on est proche de quelque chose qui est la vérité de tout le monde. Je me souviens, j'ai eu la chance d'être amie avec Nathalie Sarraute et d'avoir de longues discussions avec elle. Et elle disait, j'ai un tout petit territoire, mais je vais jusqu'au bout de ce petit territoire-là. Et finalement, qu'a fait d'autre Giono ? Si je vous dis Giono, je pense que chez Sarraute, il y a des choses de Giono. Eh bien oui, oui, dans le mouvement, dans ce qui est essentiel, pas dans ce qu'on mouline, mais il n'empêche que leur manière de travailler est la même. Voilà un champ de blé. Il existe un champ de blé. Ce champ de blé, il existe pour son propriétaire, il existe pour le bourgeois qui promènera sa famille autour du champ de blé le dimanche après-midi, il existe pour l'économiste distingué qui, lui, comptera ce champ de blé dans l'étiage de la récolte de la France. Et il existe le champ de blé de Van Gogh. Montre le champ de blé de Van Gogh au propriétaire, le propriétaire ne reconnaîtra pas son champ de blé. Montre-le au bourgeois, il ne reconnaîtra pas non plus l'objet qui lui a donné le plaisir qu'il a pris en se promenant autour du champ de blé le dimanche après-midi. Quant à l'économiste distingué, il s'en foutra totalement. C'était Une vie, une œuvre, Jean Giono, avec Sylvie Durbet-Giono, Jacques Mini, Christian Morzewski, Michel Gazier, Pierre Magnan, Pierre Michon et André Reynaud. Archivina, voix de Jean Giono. Extrait des films Crésus, Un roi sans divertissement. Mixage, Manuel Couturier. Une émission de François Connac, réalisée par Olivier Guérin. Voilà Jean Giono dans Une vie, une œuvre que nous devons aujourd'hui à François Connac. La semaine prochaine, changement de cap et d'époque,
Nous parlerons d'un homme dont la vie se confond sans cesse avec les films, non pas les siens, mais ceux des autres, puisqu'il s'agira du critique de cinéma Serge Danet. Bonne matinée à tous à l'écoute de France Culture.